Nous sommes aujourd'hui au château de Talmont-Saint-Hilaire, une transition parfaite avec notre journée passée hier au Puy du Fou. Aujourd'hui, l'ambiance est médiévale avec la visite de ce château du XIIIe siècle, dont les premières fondations datent de la fin du XIe. Nous allons assister ce soir à un spectacle intitulé « L'épopée de Richard Cœur de Lion », qui va nous conter en fait l'histoire du château qui fut réellement la propriété de Richard Ier d'Angleterre, qui fut également duc de Normandie et d'Aquitaine, et fils d'Aliénor et d'Henri II. Un peu plus tôt dans l'après-midi, nous avons un avant-goût avec un spectacle équestre non dénué d'humour. Nous avons vu également la fin d'une démonstration de dressage de rapaces et tu t'es même essayé au tir à l'arbalète. Prenez la main avec laquelle vous écrivez. Vous la mettez à l'arrière. Vous soulevez légèrement l'arbalète. Ça marche ? Voilà, tout de suite. Quelles sont tes impressions alors, Johanna, de cette arbalète? Alors, faut savoir déjà, on a eu 3 essais. Ils nous ont donné 3 carreaux. C'est ce qu'on appelle, c'est l'équivalent des flèches, mais pour les arbalètes. Et j'avais 3 essais. Ils nous ont montré comment il fallait la tenir et tout. Il fallait la mettre au pied, la détendre sur le côté, avec après. Comment la tenir avec les deux mains. Il y avait la main droite, enfin la main forte, comme ça, et qui après se la détente, et l'autre qui tient droit l'arbalète, comme ça. Et après, il faut viser avec les yeux, parce qu'il n'y a pas de viseur. Et après, on met la flèche, enfin le carreau, la sécurité, et puis après, on presse. Et ça partait. C'était pas très puissant comme geste, il n'y avait pas trop d'impulsion. On sentait pas beaucoup de force dans le geste, mais on sentait qu'il y a un petit boom. Mais pas plus que ça, et j'ai réussi à toucher une cible. Je sais plus laquelle, mais ça a touché. Et voilà. Yeah.
La journée est loin d'être terminée. Le grand spectacle nocturne nous attend ce soir. Il va nous faire basculer dans les couloirs du temps en l'an 1170. À cette date, Richard Cœur de Lion, duc d'Aquitaine et futur roi d'Angleterre, fait fortifier le château de Talmont, qui devient alors une résidence royale. La nuit est tombée, ce sont près de 150 figurants qui, pendant 1h15, vont donner vie à une fresque historique. Le muséum du coquillage des Sables d'Olonne est situé près du port, en face des quais où accostent les voiliers de la course au large du Vendée Globe. On voit une grande collection de coquillages et de crustacés dans ce très joli musée des Sables d'Olonne, avec des variétés parfois très étonnantes. L'homme est fasciné par leur étrange beauté. La variété infinie des formes, des textures, la subtilité des couleurs. Certains coquillages sont même de véritables œuvres d'art. On dit ils ont un pied. Ils ont un pied. Et le deuxième, il est où ? Il n'y en a pas. Ils ont un système digestif et un producteur. Et il a une langue.
balade à vélo au programme pour notre dernière journée. Avant cela, petit crochet par le quartier de l'île Ponote. Situé à quelques mètres du remblai des Sables d'Olonne, ce micro-quartier apporte sa touche artistique depuis 1997 grâce à des fresques de coquillages sur les murs des maisons. L'île Ponote est ainsi devenue un des lieux incontournables des Sables d'Olonne. Et bien voilà, nous terminons cette semaine au Sable d'Olonne par une petite balade à vélo cet après-midi. Nous reprenons la belle pinède que nous avions découverte dimanche avec Johanna. Alors il y a un petit peu moins de soleil aujourd'hui, mais c'est tout autant agréable. Et bien voilà, ainsi s'achève notre film de vacances d'été au Sable d'Olonne, ici sur la promenade du départ du Vendée Globe. On a fait une petite balade donc bien sympathique cet après-midi pour ce dernier jour, avec un temps quand même assez couvert, hein, Johanna, aujourd'hui. Hein. Mais pas très clim. Non, beaucoup moins beau en tout cas que notre balade de dimanche. On espère que vous aurez beaucoup apprécié ce petit film de vacances et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.